messieurs, amis fanatiques TV la caille Haïti.com. Encore une fois, nous contents de rejoindre nous dans la deuxième vidéo journée que nous portons pour. Et vidéo ça, donc c'est une conférence de presse que PNH là-bas, je vous dis là. Donc pour présenter et divers matériels qui ont ramassé, saisi dans main bandits. Donc on est dans l'opération Déchouquer Bandit, dans l'opération Boucaner Bandit. Qui lancé là depuis avant hier, et bien Abdou la police qui a même ramassé en pile gros âme, fond foam, paquet gros charge, bagaille tête chargée, mesdames et messieurs. Nous avons image, nous avons son, et nous allons inviter ou garder bagaille, nous allons inviter ou et tant de tout garder aussi, porte-parole PNH là qui lui même pral ban nous tout détail, mesdames et messieurs. Tout en information concernant balé ou zé ça, lavage ça, que population ak la police a fait, ben sou nek ak zam yo, nek illégal, ame yo, bandi yo, gang yo, volo yo, assassin yo. Ben, mesdames et messieurs, en pile, gros zam saisi, ou ap mande, mais qui côté nek yo jwenn l'argent pour acheter qualité zam sa ou m'ap gade la, même la police pa gen zam sa yo, mesdames et messieurs. Boîte cartouche nèg sa yo si bagay tête chargée mesdames et messieurs son bagay grave son bagay qui est bien étonné en pile monde pour façon un petit jeune ça même t'es armé et si on a raison qu'il faut laisser la police camper devant yo ben faut que la police la gagne grande dans monde d'ali pour camper en face bandi sa yo parce que nèg yo armé nèg yo gagne zam nèg yo gagne munition et les a pété balle yo pas même compter combien grande balle y a mettre dans zam parce que yo gagne si vous avez des nègres politiques, des gros bras, avec des idées, vous avez fourni aux armes et munitions, ben la police, la population, en bas les usées, elle commence dans le canapé vert, ben pour passer dans le tuyau, pour arriver début, mesdames et messieurs, ben pour arriver torsel, ces nègres qui sont tombés pour passer dans le fief Timakak, vous avez les usées, ça, question base Timakak là, pas de ça encore dans Thomasin, vous avez les usées. Yo rache base Timaka tout ça que te gagné ben la police pote yo ali mesdames et messieurs pour inviter ou gen détail dans vidéo ça tout nous pral fò gade ben étendez comment ben louko dizi mesdames et messieurs ben qui péterel donc dans émission matin débat louko péterel et les citoyens ça qui parler les citoyens ça qui ta entrepreneur ben qui lui même a parlé avec Ariel Henry ben qui va faire rien ou si là yo qui te kame qui travaille dans pays ya alors que ben en pile monde mesdames et messieurs qui eux même ben gen moyen pour ta mettre travail dans pays ya mais Ariel Henry tellement ben pas soucié des monde qui dans pays ya c'est blanc la fait plaisir ben nous connaissons Petirel citoyen Petirel qui donc son émission triste et bagaille yo tête charge en tout cas on va l'inviter regarder et donc conférence de presse la police là avec nous quantité matériel gros armes fond fois ben qui ont ramassé en bas mes bandits qui ont boucané en bas dit feyo on regarde les causes. Alors, ça fait numéro 2 en son conférence spéciale sous bilan et présentation partielle de ensemble de matériel la police saisie pendant journée lundi à mardi 25 avril 2023. Gagné 4 fusils d'assaut, 3 pistolets de calibre 9 mm, 35 téléphones portables, plusieurs cartouches de différents calibre, dont 5,56, 7,62 et 12. Gagné plusieurs cartes mémoire, plusieurs chargeurs, radiocommunication, trousseaux de maison, plusieurs, et puis plusieurs tours clés de véhicule. Gagné 3 policiers qui blessés lors de la dernière opération. Gagné 25 libérations qui faites, dont 10 à Paco, 9
depuis 6 villages Géodat gagnent 3 véhicules qui saisissent. Au niveau quoi des bouquets, gagnent un bandit qui relaient Diol et la vie ainsi connue, qui malheureusement blessé mortellement, et Olot qui malheureusement blessé mortellement au niveau bon repos. Nabdi à toute population, encore une fois, la police nationale mobilisée et opération yo pas campée, opération a continué. Parce que l'objectif nous, c'est pour nous permettre la population capable d'aller en souffle, capable enfin vaquer librement en activité. Nous, encore une fois, solliciter la population pour nous continuer mariage police-population sans violence. En été vigilant, yon veille sous l'autre et rete veille actif. Dans le quartier, les noués de visage que nous pas connaissons, les noués d'activité que, qui pas habitué fait, ça doit attirer attention nous et mettre la police au courant. Et si nous avons des mauvais éléments qui viennent empêcher nous vivre tranquillement, population paisible, arrêtez-le, menez un commissariat qui est plus proche. Et d'un petit tour à la population, pour y porter tout ça, rejoindre comme matériel que bandits ont abandonné sur route pendant que vous avez couru. Toujours informer la police, quel que soit mouvement, encore une fois, qu'a fait dans le quartier. Parce que nous croyons que la population a subi assez de bandits, de criminels, de monde qui violait petit yo et en pile jeunes universitaires et l'autre jeune encore dans le quartier victime, en pile grand monde professionnel victime de bandits. Il est important pour que nous continuions collaboration ça avec PNH là, parce que nous toujours dit que yon un partenaire qui est plus important pour nous, bien que en matière de sécurité, il est important pour gagner ensemble de matériel, ensemble de partenaires, mais population sont c'est pour nous yon partenaire qui est sûr et nous encore une fois compter sous collaboration. Comme c'est un point de presse spécial côté que journaliste yo pral ouais ensemble de matériel qui saisi yo pendant 2 jours que nous sommes dit là. Lundi, mardi, 25 avril, nous avons demandé pour que vous filmiez. Entre temps, nous avons fait déjà, dans une conférence que nous avons fait, nous avons présenté nouveau uniforme BLVV. Je vous dis, c'est nouveau uniforme SWAP, qui c'est groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti. Et nous gagnons 4 mannequins, côté que, à travers la caméra, à travers la presse, population poids loin, nouveau uniforme SWAT. Et nous avons demandé 2 SWAT qui sont côté mieux pour qu'ils descendent et pour qu'ils avancent de manière pour que nous capables d'expliquer uniforme. Merci. Uniforme et équipement SWAT. Groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti. Et d'après les 3 policiers soit pour faire un petit bac et puis on va présenter nos échantillons et gilet tactique, yo armé de fusil d'assaut et couleur uniforme là c'est vert olive qui avec vert olive noir, alors avec des on dit qui tacté noir. Et on a demandé policiers pour que les policiers soient là pour faire pour le tirer, pour être donné. Soit. Il y a une unité de la police nationale qui gourmet en pile en dernier moment ça. Malgré la situation difficile, malgré que nous connaissons au niveau logistique et limitation au niveau matériel, mais c'est de policiers
qui déterminés, de policiers qui armés de courage pour que soient capables de permettre que la population vague librement d'activité et surtout dans la zone que nous connaissons, à savoir toute zone la boule Thomasin et l'autre zone qui a des problèmes. Ils ont armé encore de courage, ils ont été gourmés. C'est une unité qui est engagée avec l'autre unité dans le travail. Encore une fois, on a demandé 4 soirs pour que vous mettez au rang de manière pour que nous soyons capables de faire une dernière photo de vous. Merci. Avec la police qu'on fait dans ce sens-là. Nous, avec mon momentum et PP, c'est que la population est déterminée pour finir avec la situation de banditisme. Ça qui explique les policiers, la police pas prend momentum pour tout et adresser la situation. Matissant la situation et direct l'autre zone qui gagne et bandit cap ferraille. Et puis, il y a un détail sur l'opération de la police menée et dans la zone et qui gagne avec ce spot-là. Merci. Et pour ce matin-là, j'ai été en contact avec les responsables, la police présente dans la zone Sahara, et à savoir la situation de tension qui était gagnée au niveau sous commissariat Portail de Ouganda. J'ai été en contact avec le commissaire Port-au-Prince. Alors, les situations, ça s'est passé. Mais pour le moment, je connais comment y est, pour le moment, pendant ma parole, la forme honnête d'abord. Mais je dis que j'ai pris toute disposition de manière pour que Blender retourne. Dans l'espace-là, moi, je crois que y a deux véhicules qui étaient endommagés, même qui étaient mis du feu là-dedans. Et c'est deux policiers qui, dans la zone Sahara, nous voyons une zone qui est très difficile, et qui baillent vraiment avec deux zones côté que y a une contention et bandit là-dedans. Mais c'est deux policiers, encore une fois, qui armés de courage et avec la population qui était encore campée et qui, justement, a toujours campé. Momentum, non, bébé. Momentum. Alors. Et où avez-vous une question comme ça qui explique que la police pas saisie de momentum, population qui est très déterminée pour finir avec la question banditisme, pour adresser la situation matissant, dire que l'autre côté dans le Port-au-Prince qui est bandit Kafiraï. Nous, encore une fois, remercier la population et pour toute détermination et tout signal que vous voyez par la police nationale et par la société en général pour lever campé et pratiquement que a fait dans le quartier pour que bandit ne vienne pas envahir l'espace. Nous croyons que c'est un comportement qui méritait pour nous applaudir. Et nous toujours disons que à chaque fois que Yota se prend un bandit, un monde qui empêche de vivre, va équilibrer l'activité pour que Yota prenne yo, mène en bas la police. Et c'est ça fait que nous adressons, nous comprenons la situation, nous comprenons que ça a subi dans la chair, dans l'âme, l'oué de famille, côté que Yota kidnappé petit, Yota kidnappé mari, Yota madame, yo, et que ça fait. Conséquences ça gagne sur le plan moral. Et nous comprenons ça, nous comprenons tout énervement, toute population, hein, et ça fait que nous demandons pour que les potes collés avec PNH, là, qui lui-même est déjà sur le terrain et qui lui-même a une détermination, mais on peut coller vraiment sans violence. Merci. Jean-Jules Desaugustes pour Radio Métropole. Nous connaissons ça qui a fait actualité aujourd'hui à porte-parole, c'est ça qui passé dans le canapé vert. Nous avons fait des reportages sur place, côté que mon yo partagé douleur. Ce n'est pas de gaieté de cœur que peut-être agi selon ça, partagé avec nous. Donc, qui rapporte que la police vient elle-même de manière spécifique sous et ça qui passe canapé vers là, côté que la population lynchée environ 14 présumés bandits et que c'est devant un commissariat de police. Merci beaucoup. Nous avons parlé dans la conférence que nous avons fait lundi, hein, nous avons expliqué que c'est suite à Lyon. Alerte sous un véhicule qui était gagné de monde de couleur noire qui paraît bizarre et suite à la police en disposition pour intercepter le véhicule là et puis après nous avons gagné de monde qui armé nous avons ensemble de matériel et grand pile matériel que nous avons là c'est à savoir 3 et 9 mm et puis avec chargeur c'est du matériel que nous avons joint qui était en possession. Et côté que
tout de suite et dans la soirée, tu as une situation de tension dans toute zone des Bussiers qui contiguë justement avec la zone Canabé Verlan, vin et crier justement une attention et au public là. Et puis, et, je te dis, hein, au niveau de la police, et les policiers ont fait tout ça au capable pour que au capable permettre que, de préférence, que n'arrêter Mounio et une conduite de la justice, mais vu à sa population subie, à la situation qu'ils vivent déjà, et à ça que le demandé dans la soirée, dans la zone qui contiguë à l'Imenio, à savoir toujours, et zone, je crois, Debussy, et qui a une réaction pareille, que nous comprenons c'est un moment de colère, et ça fait que nous demandons encore une fois à la population hein, pour que nos deux préférences aient la police, non, pour témoigner les banons, mais pour éviter toute violence, bien que nous comprenons la colère et population hein, à ensemble des actes qu'elle subit de bandits. D'autres et questions ou bien la dernière question, s'il vous plaît? Edouard Fekner, pour tripoter à la caille. Et comme nous étions des chauffeurs bizarres, qui est-ce que le chauffeur bizarre contrôle la police? Quel élément d'information? Et puis, Zamsa, est-ce qu'il va battre avec la police? Est-ce qu'il y a une identité Zamsa? Pour tous Zamsa, vous m'avez dit qui ça appartient? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a battu avec la police? Est-ce qu'il y a vraiment une identité Zamsa? Justement, il y a un rapport balistique justement pour gagner, pour nous connaître exactement le type de Zamsa. Bon, bien que moi, Marco, mais gagner de balistique et scientifique justement pour travailler sur eux, mais Zamsoyo, 4 fusils d'assaut, c'est ça que nous saisis hier dans la zone de Bussy qui côté que Bandiyo est en possession de eux, et nous la police lui-même était très présent et est disposée pour entamer bataille et avec bien sûr la population hein, et puis avec l'autre ensemble de ça que nous voyons que nous saisis pendant 2 jours, lundi, mardi 25 avril 2023. Et il y a encore au niveau commissariat, au niveau investigation, et n'a pas quitté le temps pour que les techniciens, monsieur, pour que soient capables d'enquêter plus, puis aux jeunes plus éléments. Merci. Merci. Merci, commandant. Merci. Monsieur, nous l'avons.